Scaren dilaneit à des sourgos perdudos, burundaig et musicalos flourdelus, que jamais plus, vous bestirant d'amour, ô paoros terros nudos. Miracle del silenci, de l'aigo, de la luz, ô beloios perdudos. Quid mem vous abegudos, ô bus sourgos perdudos, que pudes plus flouri. Sous carène d'ilaneit à des sourgos perdudos, et pauserai mon front, justas belle aux mains nudos, mas lagremos tapau, las beiras pas flouri. Donc, c'est un poème de Louisa Pauling, parégut dans un recuel d'elle qui s'est dit sourgos, parégut dans les années de 30-40, et qui fut réédité récemment par les éditions Ventéral. Donc, c'est un poème qui me toque, parce que c'est tout dans la suggestion, dans la douceur. Il y a toute une malencunio qui se sentit, sans que ce soit dit clairement. Et il y a aussi un moment de contact avec la nature qui servit à l'enco des consolatrices et des porte-parole. Donc, disait qu'elle est plus dur, à quel pessimisme discret. Il y a trop qu'il y a une voix féminine discrète qui belle ou fougue pas prou qu'on est gude, qui fougue réduite à une autour d'anthologie per primari, alors qu'il y a mai des prix gondour qui per un simple libre per le primari. C'est une femme qui fougue une de las premières de sa génération de passer par l'école. Fille de monde qui tenait un bistrot, un pitcho bar, enfin une bar, c'est pas ce que c'est disait à l'époque, un pitcho restaurant, et qui peut faire des études, fins à venir maître d'école, puis formatrice, une école de formation des maîtres. Et qui fait son métier de maître, puis maître formatrice, qui a fait une grève malautio, qui la rendait, qui la forçait d'arrêter le métier dur. Qui la forçait de tourner à l'Ustau Pairenal ou Mairenal et qui continuait d'écrire des langues tout le long de sa vie, de courte, mais qui mourait à 50 ans et quicon. Et donc, c'est une fin avant tout, mais quand même une modernité pour son thème. Parce que, est-ce qu'aucune qui est divorciée? Est-ce qu'aucune qui parle de sa sensualité, de ses impressions personnelles, toujours dans la discrétion et la plus douce, ce qui m'agrade? Qu'il y a Jolenko, une liberté de parole et elle me mettait, il n'y a pas de déballage chez une dessin. Tout se devine. C'est une plus belle langue. Louisa Pauling a bio après du cita, enfin, la bio pas après, era la langue de l'Ustau, une des langues de l'Ustau, fugue force ambiguë de toute la littérature orale, canzons, contes, proverbes, et à quoi se retrouve dans son œuvre, mais elle n'est pas passée à l'écrit. Quand elle est jeune, il y a bio l'occitan langue de l'Ustau, qui ne savait pas qu'il y avait une langue, et le français, langue de l'école. Puis, c'est par le contact avec Barcelone, et par le catalan, en Trento et Quicon, des temps de la République, que ça visait que le catalan était une langue, et par comparaison, prenait conscience que l'occitan était une tabée. Il y a une longue correspondance avec le poète Antonin Perbosque, correspondance de 20 ans. Qu'à la début, c'est elle qui lui demande conseil, et qu'à la fin, c'est elle qui lui demande conseil à elle. Et c'est une correspondance sur un mouvement, dans une française magnifique, superbe, de douzesse, c'est ce que Saïma Bundeluen, qui s'est rencontrée au Pajama, qui mourit la même année, alors qu'elle avait 20 ans de mince, mourit en peine la guerre, en 1944, probable qu'elle ait une conséquence de la privation. Elle qui est rebelle, elle qui est malade. Donc, un amour de lui, impérieux.